Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Et je remercie toutes les personnes en tout cas qui vont prendre la peine d'écouter ce message. Et j'espère vraiment que ces quelques minutes vont vous faire du bien. Je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai une de mes clientes qui s'est mariée aujourd'hui. Une jeune dame qui s'est mariée avec un jeune homme. Ils sont très jeunes, ils sont très beaux. Ils ont une grâce particulière dans leur vie, c'est que malgré leur jeunesse, ils auraient pu continuer à vivre comme ça et pas honorer Dieu, pas honorer la parole de Dieu, mais ils ont fait un autre choix malgré leur jeunesse, malgré leur beauté, malgré leur argent. Ils ont décidé d'honorer la parole de Dieu, de se marier. Je rends gloire à Dieu. Mais vous savez, de nos jours, quand quelqu'un me dit « je vais me marier », je suis très contente. Mais je suis perplexe en même temps. Parce que dans nos familles africaines, on nous prépare très bizarrement pour le mariage. Vous savez, moi je suis fille unique de mon père et de ma mère. Bon, mon père a eu une fille après, bien avant. Mais ma mère n'a que moi comme fille. Et j'ai que des grands frères. Et j'ai été élevée comme une lionne, vous comprenez? Je suis l'espoir de ma mère. Je suis son bébé, je suis sa chérie. Vraiment, on ne doit pas m'écraser, on ne doit pas me parler mal, on doit pas, chez moi, je lavais pas les habits, je faisais pas la cuisine, on avait une nounou qui m'aidait à tout. C'est quand je suis partie à l'internat, gloire à Dieu, Dieu merci, que j'ai appris à faire mon lit, à faire mes habits, à laver mes habits, à tout faire moi-même, et ça a été une bénédiction pour moi. Mais selon les familles, on nous élève d'une façon que le foyer, c'est pas facile. Parce que l'amour qui est là, là, il est patient. L'amour comprend beaucoup de choses. L'amour excuse beaucoup de choses. L'amour supporte beaucoup de choses. Mais on ne nous apprend pas ce caractère-là d'une femme. Surtout cette génération, les femmes ont gros cœur. Parce que de toute façon, l'homme travaille. De nos jours, la femme est tout autant capable de faire. On a des femmes directrices. On a des femmes présidentes, on a des femmes PDG, on a des femmes CEO, on a des femmes qui font de l'argent. Et c'est un grand danger, moi je pense. Parce que quand une femme atteint un niveau de pouvoir, son humilité disparaît. Elle n'est plus humble, elle est orgueilleuse, elle est gonflée, elle est tout ça. Il n'y a pas de problème. Peut-être tu peux réussir dans le monde des affaires avec ce caractère, mais dans le foyer, la maman, tu vas souffrir avec cette façon de faire. Tu vas souffrir avec cette façon d'être. Je t'assure, tu vas souffrir parce que l'homme est l'homme. Même si toi, tu es CEO là et que lui, il est gardien. L'homme, c'est l'homme. The man is the man. Tu es obligé de le respecter. Sinon, ça ne va pas passer. Je disais la dernière fois à mon ami Bouga, de Bouga Prod, que je salue au passage, que j'ai expérimenté quelque chose. Mes premières années de mariage ont été très difficiles à cause de mon caractère. Je suis quelqu'un qui suis extrêmement indépendante. J'ai pas grandi avec mon père. Je me suis battue toute ma vie pour avoir la position que j'ai aujourd'hui. Et j'ai croisé mon mari, quoi, je sortais, peut-être j'avais 27 ans, par là, 28. Donc j'étais déjà accomplie et j'avais déjà accompli beaucoup de choses dans ma vie. Je ne me suis pas réalisée dans le mariage au fait. Je n'ai pas attendu un homme pour avoir une voiture. Je n'ai pas attendu un homme pour avoir une maison. Je n'ai pas attendu un homme pour travailler. Je n'ai pas attendu un homme pour vivre. Donc j'étais déjà accomplie quelque part. Donc rentrer dans le mariage et puis accepter une autorité sur ta vie, maman, ce n'était pas facile. Mais je me dis que j'ai pris tout ça. C'est pour dire à une femme que si tu veux être heureuse dans ton foyer, il faut être humble. C'est pas partout on a raison. C'est pas partout on tape sa poitrine. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on crie. C'est pas tout on se fâche. C'est pas tout on prend ses bagages pour partir. C'est pas... Non, on se marie, c'est pour la vie. Ça, là, il faut l'intégrer. On se marie, c'est pour la vie. C'est gâté, c'est pas gâté, c'est pour la vie. On peut se séparer un moment parce qu'il y a des femmes qui vivent des foyers difficiles de violence conjugale, psychologique. Vous pouvez prendre des distances. Mais sincèrement, la base du mariage,
La Bible nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Tu as choisi ton mariage, en tout cas ton mari, en tout cas je l'espère, qu'il ne t'a pas été imposé. Tu l'as choisi. Donc tu vas t'accrocher à ça. Tu vas être patiente. Tu vas fléchir genoux pour que le cœur de pierre que ton mari a se transforme en cœur de chair. Tu vas prier des années, tu ne vas pas lâcher. Parce que tu veux honorer la parole de Dieu. Tu vas être douce, tu vas être patiente. Ce n'est pas ton affaire, tu vas expliquer à toute ta famille, à tous tes amis. Non! Tu vas fléchir genoux et dire, Seigneur, voilà ce que mon mari m'a fait. Voilà, voilà, voilà. Donne-moi la force de pardonner et de passer à autre chose. Donne-moi de connaître le moment propice pour lui parler avec douceur. Vous savez, j'ai appris une chose. La vérité, même quand elle est dit avec douceur, ça fait mal. Même quand tu dis tu cherches le moment propice, tu te dis le soir, on est couché, on cause, je vais lui dire que ce qui m'a fait là. J'ai dit, oh, la vérité là, même dans la douceur, ça fait mal. Donc il faut accepter aussi les réactions en face, même s'il pète une casse. Il n'est pas câble électrique, mais souvent il pète les plombs. Il faut accepter. C'est qui est-ce que tu as déjà dit ton truc avec sagesse, intelligence, c'est rentré. Ça va travailler, il va crier peut-être, mais ça, tu as déjà dit intelligemment. Tu sais que même s'il a fait, on s'en va exposer quelque part, ah, je ne lui ai pas manqué de respect, j'ai dit ça comme ça, ça va passer. Mais toi qui te maries, je te souhaite beaucoup de bonheur. C'est Dieu qui a institué le mariage, ce n'est pas nous. Alors que ce Dieu-là honore vos mariages et qu'il vous donne l'amour. Qui est la clé de toute chose. L'amour même est la clé de ce monde. Le fondement de ce monde a été fait sur l'amour. Le don du Christ aux hommes a été fait sur la base d'amour. Tout est amour. De grâce, soyez remplis d'amour. Soyez patients. Écrivez ça quelque part. Je ne me suis pas mariée pour divorcer. Accrochez-vous à ça et demandez à Dieu de vous aider. Vous jeûnez pour l'argent. Vous jeûnez pour le travail. Vous jeûnez pour beaucoup de choses futiles. Jeûnez pour l'amour. Jeûnez pour la patience. Jeûnez pour le courage. Jeûnez pour la tempérance. Jeûnez pour être une femme qui pèse, pour être une femme solide, pour être une femme inébranlable. Jeûnez pour ça aussi. Jeûnez pour pardonner. Ton mari peut te tromper. J'ai une amie qui me demandait un jour, quand tu parles de pardon, pardon, si ton mari te trompe, je dis, ça va me faire mal. Ça va me blesser. Mais je ne vais pas quitter mon foyer parce que mon mari m'a trompé. Je vais fléchir les genoux que Dieu m'a donnés. Qu'est-ce qui n'a manqué chez moi pour que mon mari aille dehors? Je vais fléchir mes genoux pour que cette chose-là vienne en moi. Mais je ne vais pas laisser mon foyer. Je ne vais pas quitter mon mari. Il y a quelque chose qui s'est passé chez moi. Je vais trouver pour que mon mari aille voir dehors. Mais je ne vais pas quitter mon mari. Je suis désolée. Je vais prier, intercéder, que la douleur me quitte et que je puisse devenir cette femme-là que mon mari a aimé épouser pour mettre dans sa maison. Hey, on ne nous enseigne pas, jeunes gens, jeunes femmes, instruisez-vous avant de rentrer dans le mariage. C'est beau de dehors, mais c'est un combat, c'est un défi quotidien. Allez vous asseoir auprès des gens qui se sont mariés. Vous voyez 2 ans, 3 ans, 10 ans de mariage. Ils n'ont qu'à vous parler bien. Là je suis en train de parler à la façon ivoirienne. Parce que c'est les Ivoiriens, nos gros cœurs comme ça. Ils n'ont qu'à vous parler. Comment nos mamans ont fait pour faire 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage là. Ils n'ont qu'à vous parler avant de vous engager. Parce que le mariage, c'est pour la vie. L'amour peut manquer un moment. Mais on jeûne et on prie pour aimer. Vous priez pour l'argent. Priez pour aimer. Priez pour pardonner. Pour que ça se renouvelle chaque jour. Et en tout temps. Et en toute chose. Comme j'ai dit à ma mariée d'aujourd'hui. Le respect. Vous devez le respect à votre mari. Papa et maman ne les a pas choisis.
Mais ton mari, là, tu l'as choisi. Alors, tu lui dois l'honneur, le respect en public et en privé. C'est pas tu fais comme si tu es sage devant les gens et puis dans la chambre, tu jafoules sur le gars. Ça ne matche pas, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Le respect et le respect. Soyez bénis, heureux dans vos mariages, comblés, comblés, comblés. Parce qu'un mariage raté, c'est le début de l'enfer sur la terre. Soyez bénis, moi je veux que vous viviez le paradis sur terre dans votre mariage. J'ai une chanson en ce moment qui est très populaire. Avec moi, c'est le paradis sur terre. Que ton mari soit content d'avoir une femme comme toi, qui dise vraiment, j'ai trouvé la perle rare, j'ai trouvé le bonheur avec elle, c'est le paradis sur terre.